Aux environs des années 2010, nous avions une problématique à la faculté d'odontologie qui était le manque de travail, je dirais, des étudiants en amont des travaux pratiques précliniques. Effectivement, nous, on a reçu l'équipe d'odontologie qui nous a exposé cette problématique de manque de préparation de la part des étudiants sur les travaux pratiques. Les contraintes étaient que les enseignants passaient beaucoup de temps durant les séances de travaux pratiques à répéter ce qui avait été vu en cours magistraux, puisque les cours magistraux ne sont pas obligatoires. Et on a proposé, du coup, de travailler en collaboration sur la création d'un outil numérique. Et on a abouti à un modèle, en fait, de fiches TP. Sur ces fiches numériques, nous avons trois onglets, je dirais. Un premier onglet qui correspond à la présentation du TP préclinique. Un deuxième onglet qui correspond au matériel qui va être utilisé, donc au plateau technique que l'étudiant doit utiliser pendant la manipulation. Et le troisième onglet qui répète la manipulation sous forme de vidéo notamment et de photos. Et j'ai trouvé que cette solution était vraiment indispensable pour les étudiants, car déjà ça permettait de régler les problèmes d'absentéisme en cours, donc du coup d'arriver en cours et connaître un peu les protocoles, les différentes démarches à faire, à suivre. Ou alors tout simplement, même si on était présent en cours, qu'on connaissait son cours, ça permettait d'avoir une sécurité, de savoir tout ce qu'on pouvait faire et voir un peu les différentes étapes pour ne pas en oublier. Au départ, comme on vient de deux mondes différents, il y a la pédagogie, le multimédia, et puis il y a le monde de l'odontologie. Il a fallu qu'on se comprenne, c'est-à-dire qu'on adapte un vocabulaire commun. Il fallait comprendre l'architecture de la fiche, car même nous, il a fallu réfléchir aux différents thèmes du TP, enfin, les objectifs d'enseignement, les objectifs d'apprentissage. Il faut expliquer quel est le métier du graphiste, mais aussi quel est le métier du dentiste. Pourquoi est-ce que c'est important de voir une dent de cette façon-là et pas d'une autre ? Là, un os, c'est plutôt telle couleur. Pourquoi est-ce que c'est important que l'outil soit comme ça ? Et c'est vrai que ça a créé des échanges plutôt fructueux et enrichissants. Et puis maintenant, on arrive à aller beaucoup plus vite sur ce processus de création de fiches. Les étudiants déjà sont très contents de ces fiches, car ils nous en demandent dans tous les TP. Le fait de voir l'acte, c'est vrai que ça change complètement pour eux. Parce qu'en cours, souvent, ils ont juste des notions un peu écrites, un peu abstraites. Et là, mettre une vidéo sur ces différents protocoles, ça leur a vachement aidé quand même.